Et salut à tous les gars, c'est Froggy. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Dokkan Battle. On a le portail de Cellmax qui est arrivé sur la version globale. C'est le début du décompte aussi, hein, par rapport au million de téléchargements. Donc, j'avais dit dans ma vidéo, est-ce que j'invoque ou pas, que s'il y avait un Six Soldé, j'invoquerais le Six Soldé. Bon, je rappelle qu'il y a la pitié. Hein, donc, 1000 DS, bon, enfin 1000 DS avant les millions, c'est pas forcément le meilleur move que vous pouvez faire. Donc nous on va invoquer ici, qu'est-ce qui est intéressant sur le détecteur? Alors il y a Six Soldé bien sûr, et il y a un SSR détecteur garanti sur la troisième ulti, et après c'est terminé, c'est des multis je crois à 50. Donc je vous déconseille bien sûr, je vous déconseille d'aller au-delà de Six Soldé pour toutes les raisons que j'ai déjà énoncées. N'oubliez pas, les minions arrivent, il y aura beaucoup de hype, ça sert à rien de vous foutre en l'air sur un portail comme ça. Voilà, donc ici... Cellmax, évidemment, nous intéresse, hein, bien sûr, il est très fort, pour plein de raisons déjà qu'on a énoncées. Goku Thales, je ne l'ai pas. C'est pas forcément la carte la plus intéressante du game, mais comme je ne l'ai pas, bah forcément, j'aimerais bien l'avoir, ne serait-ce que pour la collection, il me manque quelques LR pièces jaunes, voilà. Rosé, il n'est pas 100%. Bon, je le passerai 100% pour la passion, mais... Voilà. Lui, je l'ai déjà deux doublons. Et puis, après c'est 100%. Ah non, lui il n'est pas 100%, mais bon, c'est OZEF, hein. C'est complètement OZEF. Le détecteur garanti peut être un SSR claqué ou un LR, voire le Cellmax. On sait jamais. Donc on va y aller, hein. Vous voyez, on n'a même pas fait le cycle sur Topo. Donc on va y aller les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez droppé dans les commentaires. Je compte sur vous pour laisser le pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir, c'est bientôt les millions. C'est parti, première multi-invocation ici. On y va. Pas d'animation. Ah, Koledé Walida. Détecteur. Vous avez vu que j'ai fait l'effort de mettre le son pour vous, pour les invocations. Maintenant, j'essaie de mettre le son. Donc, alors, je rappelle que détecteur, il y a beaucoup d'SSR qui sont claqués. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tu vas dropper une dinguerie. Mais... On peut espérer que... Il se passe quelque chose. Le Zeno m'aurait sauvé, hein. J'aurais bien aimé Zeno tout de suite, tu drop first multi et tu t'arrêtes là, hein, parce que first multi en vrai je m'arrête, hein. La vidéo serait courte. Ça va être sur le garanti. Oh, il y a peu de chance quand même, hein. Ah, sur le garanti, dis donc. Ah, il est pas 100%, du coup le collet de Walida était pour un LR. Il n'est pas 100%. Il n'est pas 100%. Il sert pas à grand chose. Mais c'est un LR. Écoutez, c'est un LR. Donc bon taux drop hein, pour le coup. Voilà. Bon. Ok. Très bien. La deuxième ulti-invocation. Allez. Ah. Le trio. Le trio légendaire. Allez. Zeno. Zeno. Kamehame. Pas Zeno. Ou alors 3 SSR aussi, hein, c'est possible. Hein. On a des animations. Ouah, on n'a pas le Godku. Donc on a eu le collet de Walida. On a eu une animation ici. Allez, la multi-Twitter. Genre avec 3 Cellmax dedans. Très bien. Ça n'arrive pas. Hein. Ça peut arriver, hein. Bien sûr, ça peut arriver. Tout peut arriver de toute façon. Hein. Sur le garanti, du coup. Allez, maintenant. Ah bah oui, c'est détecteur, malheureusement. C'est ce que je disais. Hein. Il y a beaucoup d'unités pourries, malheureusement. Il y a beaucoup d'unités pourries. Et c'en est une. Bon, ça va partir chez Baba, ça fera des pièces. Hein. Et après, on peut toujours croire au miracle. Mais c'est vrai que les miracles sont les portails, généralement. Vous avez suivi les invocations de la chaîne, hein. C'est un peu claqué ce que j'invoque. Donc là, il y a un SSR détecteur garanti. Bah, on a eu un détecteur ici. Hein. On a eu un détecteur ici. La dernière multi, puis évidemment, ça arrêtera là, parce qu'après, c'est un peu suicidaire d'aller au-delà sur ce genre de portail.
Allez, c'est parti. Pas de faille, évidemment. Pas d'animation, même pour le détecteur garanti. Zeno. Itkaba, Itkada. Pas Zeno. Bon. Allez, long Kamehameha. Non. Non. Bon. Là, ça sent très mauvais, les amis. Ça sent très mauvais. Pas de double crack, rien du tout. Non, à mon avis, ça, jusqu'au bout, ça va être. Bon, ça sera pas compliqué d'avoir plus de chance, hein, je pense, hein, malgré tout. Voilà. Allez, fais-moi un petit truc, une petite dinguerie quand même, non? Là, c'est un peu pourri quand même, hein, sur le premier cycle. Voilà, c'est pourri. Bon, bah écoutez. Malheureusement, c'est des DS jetés à la poubelle. Voilà. Bon, on a essayé, on a perdu. Alors après, ouais, il y a ça, mais moi, je ne continuerai pas d'invoquer. Ça vaut absolument pas le coup. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne pour les millions de téléchargements. On espère qu'on aura plus de chance parce que c'est vrai que malheureusement, quand j'invoque en vidéo avec vous, les gars, c'est vraiment pas ouf, hein, quand même. Hein. C'est vraiment pas ouf. Je drop beaucoup, beaucoup, souvent de la merde. Hein. Mais écoutez, les amis, tant pis. Tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. On peut pas gagner à tous les coups. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Je pense que c'est pas très compliqué non plus. J'ai vraiment droppé que des trucs pourris quasiment. Mais en tout cas, les amis, bah, prenez soin de vous. N'oubliez pas, bien sûr, de laisser le pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et à très vite sur la chaîne. Salut!